Mais faites-le taire! Faites-le taire avec. Avec qui? C'est Tom Villa. Avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Claude. Alors. Alors aujourd'hui, vous vouliez vous adresser à François-Xavier Ménage, qui est en face de vous, c'est lui. Exactement, Jean-Christophe. Alors, François-Xavier Ménage, voilà, je vous le dis, vous m'énervez un petit peu. J'ai rien contre vous, mais ma copine vous trouve trop beau. Vous êtes grand, vous êtes sportif, vous avez les yeux bleus. Oui, bah, ça va quand même. On dirait à la télé, c'est l'illusion d'optique. Non, mais c'est vrai, voilà, ça nous fait un point commun. Moi aussi, je suis presque grand. Et non, à cause de vous, on regarde Capital tous les dimanches. Voilà, ça doit faire 6 mois que j'ai pas vu un film ou un match de foot le dimanche soir. Ça commence à être pénible. Ouais. Enfin, Capital, c'est tous les 15 jours, hein. C'est une semaine sur deux, malgré oui, tout. Moi, je suis fan de Wendy Bouchard, donc forcément, on alterne. Moi aussi, je regarde Zone Interdite. Alors, ce soir, vous remplacez François, Xavier Demoulin à la tête du 1945. Il y a eu une mini polémique comme quoi, soi-disant, ça devait être Bernard de la Villardière qui aurait dû faire le remplacement. Mais comme il est en tournage aux États-Unis, c'est vous, Bernard de la Villardière, en tournage aux États-Unis pendant le procès du Carlton. Il a fait le tour du monde de la prostitution et il en a trouvé en Espagne, au Maroc, en Asie, au fin fond de la jungle, où les mecs ils payent avec des noix de coco et des cailloux. Et là, on est en train de nous faire croire que quand elles sont à 200 km de Paris, il n'est pas là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Gros problème de remplacement, M6. D'habitude, c'est Xavier Demoulin qui présente le 1945. Quand il est absent, c'est Laurie Milia Desorguer, qui est elle-même absente. Et du coup, c'est vous, François-Xavier, qui sacrifiez vos vacances, enfin qui présentez le 1945, pardon. J'imagine comment ça s'est passé à M6. Bon, les gars, alors, Demoulin est en vacances. La remplaçante, elle est absente aussi. D'accord, il faudra quand même expliquer le principe de remplacement à la remplaçante, hein, sinon ça sert à rien. Elle est enceinte? Oui, bah, c'est pas mon problème. Bon, il reste qui, du coup? Ouais, non, Guillaume Play, non. François-Xavier Ménage, il bosse qu'une fois tous les 15 jours. Bon, bah, va pour Ménage. Alors, j'ai regardé François-Xavier, votre bio, très joli parcours. J'ai lu qu'à la sortie de l'école, vous aviez eu direct un CDI à RMC. Vous avez trouvé un travail directement après vos études. Bon, c'était à RMC, mais c'est bien quand même. Non, mais il faut appeler le gouvernement, ils vont vous faire une statue. C'est impressionnant quand même. Alors, dans votre bio, François-Xavier, j'ai lu aussi que vous avez animé une émission de hip-hop à la radio il y a quelques années. Ah, c'est bon vrai? Ouais. Bah, on va vérifier ça tout de suite. Salut à tous, bienvenue sur Europe Number One, la radio hip-hop. Rapper NB non-stop, t'as vu? Je pense que t'as vu, mais t'as vu. Je suis aujourd'hui avec mon SRAB, en mode bap tout fragile. François-Xavier Ménage, aka FX des Ménages. FX, tu viens nous parler de ta nouvelle émission ce soir sur M6, le 1945, il y aura quoi dedans? Bah, on va te prendre de l'ambiance, tu vas voir. Hein. Allez, t'as vu, blé. Je l'ai fait en ambiance style, ça passe forcément. C'est un peu style. Hein. Merci du fond du cœur, François-Xavier. Bon courage pour cette semaine et bonne journée. Merci, Tom Villa, que vous pouvez la voir sur scène tous les jeudis et vendredis au Paname Art Café.